monstrueux. Les artistes sont en résidence depuis quelques jours. Pourquoi avez-vous choisi le thème du monstre pour votre spectacle? Au début, au tout début, quand on a commencé à travailler ensemble, on n'avait pas encore le thème. Bien évidemment, on s'est décidé de travailler ensemble. Et de travailler ensemble autour de collectivités horizontales dans les mains, dans plusieurs machines. Et de travailler sur comment est-ce qu'on se comporte en groupe. Aviez-vous peur des monstres quand vous étiez petit? Encore aujourd'hui, on peut avoir peur des monstres, c'est juste notre perception du monstre est différente que celle qu'elle était quand on était jeune. C'est peut-être plus politique, peut-être plus amical, peut-être plus soi-même. Ça dépend comment on perçoit le mot monstre, mais c'est vrai que quand on l'analyse quand on était petit, c'était beaucoup dans l'imaginaire. Que ressentez-vous quand vous êtes en haut du machine? Moi, je me sens extrêmement pressante. Je sens que quand je suis en haut sur les machines noires, je ne peux pas penser à qu'est-ce qui s'est passé hier, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse demain. Ou je sens que je suis là avec tout mon corps et tout mon esprit. Et ça, c'est quelque chose qui... Ben, je pense que c'est pour ça, en fait, que je continue à le faire. J'ai le vertige. Donc, à chaque fois que je suis en haut du mât, j'ai peur. Et je profite de cette peur qui me donne donc de l'adrénaline pour continuer et pour que je sois motivée. Donc je sens beaucoup plus mon corps, je suis consciente de tout mon corps pour pas que je tombe. Et c'est cette adrénaline qui me fait aussi, qui fait même si j'ai peur. Qu'est-ce qui vous a donné de créer un spectacle ensemble? Nous, du coup, on a décidé de travailler en collectif à la place d'avoir une compagnie avec une metteur en scène, quelqu'un qui nous dise quoi faire au plateau. Alors, ça peut être un peu plus compliqué de faire comme nous en fait, parce que ça veut dire que toutes les décisions artistiques, on les prend à plusieurs de gens. Mais en fait, c'est un intérêt qu'on avait tous de le faire quand même si c'est un peu plus dur, parce qu'on trouve que aujourd'hui, dans la société aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de focus sur qu'est-ce que ça veut dire en fait de travailler ensemble comme ça. Donc c'est vraiment une expérience sociale aussi, qui est un peu en parallèle avec notre intérêt de cirque et machine noire et tout ça. Comment vous sentez-vous quelques jours avant la première représentation? Impatient. J'ai hâte que cette belle aventure aille enfin, on puisse accoucher ce bébé avec le public. Exact. Moi pareil, je suis anxieuse. Mais dans le bon sens. Et voilà, j'ai vraiment hâte de le faire et de enfin pouvoir présenter ça au public aussi pour eux. En ce moment, il me manque les vibrations du public. C'est ce qui me manque et j'ai hâte de ça. J'ai hâte de ça dans la première. J'espère que ça va arriver. Moi, c'est un bordel des émotions, je pense. C'est tout en même temps, j'ai hâte et en même temps, je ne suis pas du tout amie. Enfin, c'est vraiment un truc un peu contradictoire comme ça. Moi, je n'arrête pas de m'inspirer tout le temps. Du coup, dans une manière que le spectacle va être sur scène, ça fait qu'il faut arrêter un peu de mettre de nouvelles choses dedans. Et en même temps, comme il dit Kata, les spectacles, c'est pour ça qu'on a travaillé ces 2 ans. Si ce spectacle vous intéresse, vous pouvez venir le voir au Cirque Théâtre d'Elbeuf le 17, 18